Good morning, allez, Iden, et ce soir aujourd'hui, le Nishma Trichavon Ben Fortune Mazal et Claude Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions Maserhet Rosh Hashanah, Perek Dalet Mishnachet. Shofar Shel Rosh Hashanah, En Ma'avirin Alav Et Atrum, Ve'en Mefakrin Alav Et Agal, Lo Olin Ba'igelan, Lo Rochvin Al Gabe Be'ima, Lo Shatin Al Pene Amaim, Ve'en Chotchin Oto Ben Bedavar Shehu Mishum Shvut, Ben Bedavar Shehu Mishum Lo Ta'aseh. אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין ייתן, אין מגרין את התינוקות מלתקוע, אבל מתעסקין עמהן עד שילמודו, ומתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא. On conclut encore peut-être deux משניות sur les deux dernières משניות, en fait, juste sur la mitzvah du chauffard, avec à présent, celui qui se retrouve dans une ville où il n'a pas de chauffard, il a la possibilité de partir dans une autre ville pour accomplir la grande mitzvah du chauffard, qui est d'Oraïta, durant le premier jour. Mais à condition qu'il transgresse un petit issour des Rabbanan. Va-t-il transgresser l'interdit des Rabbanan pour accomplir la mitzvah de Horita? Ou bien, non. Et la Mishnah va me dire non, justement. Shofar Shel Rosh Hashanah. Pour le shofar de Rosh Hashanah, En Me'avirin Alav Et Atroum. On n'aura pas le droit de sortir au-delà du Troum Shabbat. Tu es limité avec 2000 amas à la sortie. Si tu as fait un retour, tu peux partir plus loin. Sinon, tu t'arrêtes là. Et puis, donc, tu te retrouves maintenant à Rochana, dans ta ville, dans ton périmètre, où tu ne peux pas partir dans une autre ville pour aller écouter le chauffard. Ici, il n'y a pas de chauffard, malgré tout. Tu accompliras pas la mise du chauffard. Alors, littéralement, le fakir tagal, ça veut dire littéralement, je ne sais pas comment ça se traduit, c'est-à-dire vider un tas de pierres. Soit, on a imaginé une maison qui s'est effondrée, avec, maintenant, on sait qu'en dessous, il y a le chauffard de toute la ville, sinon il n'y aura pas de chauffard. Pour pouvoir maintenant déplacer ça, pour récupérer le chauffard, il va falloir retirer toutes les pierres qui sont dessus, une après l'autre, travailler dur pendant 2 heures, pour ensuite récupérer le chauffard. Et Michel me dit, eh ben, même si la mitzvah c'est d'oraita, tandis que le pikuach hagal, le fakir hagal, c'est de défaire toute le monticule de pierres, si c'est pas pour construire le mur, ça prend. C'est un issur de rabbanan, et ben malgré tout, tu ne vas pas transgresser cet interdit des Rabbanan pour accomplir ta belle mitzvah Minatora. Idem aussi pour l'Olin Baïlan, on ne montera pas sur un arbre. Il y a un interdit à Shabbat de monter sur un arbre, même de s'adosser sur un arbre. Et Ven Velor Vin Algabe Amita, on ne pourra pas non plus. Algabe Bema, excusez-moi. Velor Vin Algabe Bema, on ne pourra pas non plus monter sur un animal pour partir sur une ville. Imaginez que on ne peut pas marcher, on a besoin de monter à cheval, qui est un interdit que des Rabbanan. Malgré tout, il ne pourra pas le faire. Velo chatin alpene amaim ne pourra pas non plus nager dans l'eau. Même on fait un décret, une zera de rabanan, on n'a pas le droit de nager à Shabbat. Dans une rivière, question de Tsaha, qui va faire sortir l'eau, qui. Peu importe. En tout cas, il y a un décret de ne pas nager dans une rivière à Shabbat. Donc maintenant, il a besoin de traverser la rivière pour partir de l'autre côté. C'est que des rabanan, tu ne pourras pas le faire. On pourra marcher. Mais s'il a besoin de nager, il n'aura pas le droit de le faire. Ve'en chotrin oto, ben bedavar shum mishum jvut, ben bedavar shum mishum lotase. On ne pourra pas non plus le couper, le chauffard, parce qu'il est encore à l'état brut, il est encore relié à la tête du bélier. Par exemple, il va falloir le couper. Eh bien, on n'aura pas le droit de le couper pendant Shabbat. Ce soir, avec les outils appropriés, et donc, avec un interdit de Midoraïta de transmettre, de couper, ou ce soit avec des outils pas appropriés, que ce soit un interdit que Midorabanan, malgré tout, on ne repousse pas l'interdit de Midorabanan pour accomplir la mitzvah de chauffard. Ben bedavar shehu mishum jvut, ou ben bedavar shehu mishum lo ta'aseh. Avalim ratza, c'est-à-dire que ce soit interdit à cause d'un interdit de jvut, un interdit comme de rabanan, ou soit de le couper de manière atypique, c'est un interdit de rabanan, de le couper avec un vrai couteau, c'est un interdit de la Torah. Avalim ratza liten et tocho maïm moyen menon. Tout ça, donc, on a dit, c'était tout des interdits mide rabanan. Malgré tout, tu ne les transgresses pas pour accomplir ta mitzvah minatora d'accomplir le chauffard. Par contre, si tu as envie de l'améliorer pour demain, par exemple, en le mettant dans le nettoyant avec du vinaigre, tu laisses tomber dans le vinaigre, ou dans du vin, ou, ouais, aujourd'hui on fait du vinaigre, je crois. Et donc là, la Mishnah a proposé de maïmo yain, dans de l'eau ou dans du vin, eh bien, iten, il aura le droit de mettre le chauffard dedans, là, ce sera permis, parce qu'il n'y a pas d'interdit des Rabbanan à le faire de la sorte. Donc le chauffard il marche, il sort son son, c'est pas grave si on va l'améliorer un peu plus. Ensuite, En Meagvin, autre sujet maintenant. Donc on a fini pour le moment, c'était toute une série d'interdits des Rabbanan qu'on n'a pas le droit de transgresser,
quitte à ne pas accomplir sa belle mitzvah de son shofar. En magvin et tatinokot militkoa. Autre sujet, c'est on n'empêchera pas les tinokot, les petits enfants qui sont yochinur, de sonner le shofar. Val mitaskin yemaem atiel modou. Mais par contre, on pourra les entretenir, les motiver et les stimuler atiel modou jusqu'à qu'ils réussissent à le faire. Soit. Alors, il y a deux interprétations. Je crois que Bartholomew propose que c'est on est pendant Shabbat. Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le shofar comme on a expliqué. De peur que on va prendre le shofar et qu'on va transgresser et le transporter sur la voie publique. On est trop préoccupé par la misère du shofar. La Mishnah me dit, ça, cette restriction, elle n'existe pas face aux petits-enfants. Les petits-enfants, il n'y a pas de risque qu'ils vont se mettre à porter eux-mêmes dans le shofar abîme. Toi, tu ne vas pas te mettre à porter pour apporter aux petits-enfants, aux enfants qui sont en bas âge. Il n'y a pas de... Donc, de ce fait, il n'y a pas lieu d'interdire de laisser les enfants sonner le shofar, d'accord? On refait ça dans les mots. On n'empêchera pas les enfants de sonner le chauffard, s'ils veulent le sonner. On ne leur dira pas que c'est limité, c'est Shabbat, ils ont le droit de le faire. Aval mitaskin imaem atchil modou. Mais, et même mieux que ça, on aura même aussi le droit de rester à côté, de les motiver, de dire, essaie de prendre plus de souffle, et de couper ou de saccader un truc, de donner toutes sortes de précisions sur la mise du chauffard. On a le droit de les stimuler à le faire, même pendant Shabbat de Rosh Hashanah, il n'y a pas d'interdit. Tant qu'on ne le prend pas dans les mains et qu'on n'a pas le risque de partir porter sur la voie publique. Ensuite, Amita Sek, maintenant, puisqu'on a parlé de celui qui stimule les enfants, alors la Mishnah va me reparler d'ailleurs, tiens, à propos du Mita Sek, chose qu'on avait appris dans le Perek Gimel déjà, Amita Sek, le Yatsa, celui qui s'occupe, imaginez quelqu'un qui prend son chauffard pour voir, est-ce qu'il sonne un bon saut, il fait, il commence à sonner un beau son de chauffard, il dit, ah super, j'ai déjà fait une kia, et qui s'acquitte, ça s'appelle qu'il est Mita Sek, il n'est pas en train de sonner le chauffard pour accomplir la mitzvah, il n'est en train même pas de sonner le chauffard, il est en train de voir est-ce que le chauffard il fait sortir un son. Ça c'est, et donc si elle n'a pas eu d'intention, et il n'a pas, il ne s'acquitte pas. Véachoméa mina metasek, et de même aussi celui qui entend, qui est à côté de lui, quelqu'un qui est metasek en ce moment qui est en train de sonner le chauffard pour s'entraîner, eh bien l'oyatsa non plus, il ne s'acquitte pas, celui qui va entendre le chauffard. Même principe qu'on a vu dans Perek Gimel, je crois que c'était Mishnah Vav, Zahin, je ne sais plus, où on avait déjà vu aussi qu'il faut avoir une intention explicite pour s'acquitter de la mitzvah. Et de ce fait, une intention explicite implique. Attention explicite de celui qui sonne et de celui qui écoute. Et de ce fait, la Mishnah me dit donc, celui qui sonne lui-même, il ne s'acquitte pas de sa mitzvah, c'est la peine d'intention. Et celui qui écoute le shofar aussi, même si l'autre, il le fait sans, puisque l'autre il le fait sans aucune intention de mitzvah, moi qui l'écoute, je ne peux pas avoir moi une intention d'en faire avec ça une mitzvah, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.